Combien gagne un vendeur Amazon avec des produits best-seller? C'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui et on va regarder tout ça sur la marketplace Amazon USA. C'est parti, on regarde ça tout de suite après le cours générique. Salut, moi c'est Coralie, je suis vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA et je te souhaite donc à toi bienvenue sur cette chaîne et sur cette vidéo, bien sûr que tu sois ancien ou nouveau sur la chaîne. Alors n'oubliez pas, c'est le moment pour vous aussi également de laisser des boutons j'aime, de cliquer sur le bouton j'aime en tout cas, pour encourager mon travail et la chaîne, ça me fait énormément plaisir et surtout ben, c'est gratuit, donc allez-y, ne vous gênez pas, c'est maintenant, le bouton j'aime est juste là. Maintenant on va passer donc finalement sur un premier produit que je vais vous montrer à l'instant. On va aller regarder le chiffre d'affaires et le produit vendu bien sûr dans une catégorie bien précise. On va regarder quelques-uns ensemble et on va aller regarder combien un vendeur Amazon FBA aux USA en best-seller peut gagner. Alors c'est parti, je vais vous mettre ça ici tout de suite sur mon écran. Et là, comme vous voyez, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans des anciennes de mes vidéos, c'est un dog grooming hammock. Alors qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un petit hamac afin de porter en fait le chien ou le chat également. Hein. C'est fait pour plusieurs tailles, plusieurs produits, plusieurs animaux, pardon. Donc ce produit-là, finalement, il va couper les... Vous êtes capable de couper les griffes de vos animaux de compagnie, en fait, plus sereinement. On sait que c'est jamais facile de couper les griffes des animaux de compagnie. Et voilà, un système a été mis en place, donc, comme ce genre de produit-là. Donc, comme on voit ici, hein, il y a plusieurs tailles. Vous regardez l'un de XS à XL. Et le listing est d'ailleurs pas trop mal. Hein. On regarderait les différents ici... photos, on a quand même pas mal d'informations et vous avez même une petite vidéo à la fin. Le listing a l'air quand même optimisé, pourquoi? Parce qu'il a 5 bullet points ici, il a un titre qui est assez long, donc bien sûr à voir les différents mots-clés qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, voilà, ce listing est potentiellement bien optimisé et je pense également qu'il a du contenu à plus, donc le contenu à plus qui est ici juste en bas. Donc ça, c'est un contenu à plus basique et le dessus ici, c'est le contenu à plus avec histoire de la marque pour encore plus renforcer les sentiments et la présentation de produits. Voilà. Donc là-dessus, combien peut potentiellement gagner ce vendeur-là donc dans cette catégorie? Donc là, si on voit, il est best-seller dans Cat Grooming Scissor. Ok, donc on va aller regarder, là je vais utiliser ma petite Chrome extension de Helium 10. Donc Helium 10 c'est très bien pour pouvoir analyser les niches et regarder les chiffres de vos compétiteurs. Si jamais vous n'avez pas encore bien sûr Helium 10, hein, je ne sais pas si vous connaissez déjà la chaîne, mais sachez que j'ai des codes promo, donc n'hésitez pas à aller dans la description et déjà des rabais, ça peut faire toujours plaisir, donc cliquez sur le lien et vous aurez soit un 20% soit un 10% suivant quel abonnement vous prenez. Donc n'hésitez pas à aller bénéficier de tout ça. Maintenant on regarde, hein, c'est celui-ci, le best-seller. Donc on fait sa petite Chrome extension juste ici en haut et on va aller sur le X-ray ici. On va aller regarder notre cher vendeur. Hop, si on regarde la photo, c'est celui-ci, on est sur le bon. Et lui, voilà, son revenu, donc son chiffre d'affaires est de 60 410 dollars américains. Donc voilà, c'est quand même très intéressant de faire, même très très intéressant de faire 60 000 $ avec un seul produit, on s'entend. Donc là, c'est vraiment quand même super intéressant de regarder, en tout cas pour ce vendeur-là avec ce produit-là, c'est différentes tailles, bien sûr, il a des variations du coup, mais voilà, il fait 60 000 $ de chiffre d'affaires sur cette niche-là. C'est très intéressant et du coup, si jamais vous êtes intéressé à ce produit-là, en tout cas, sachez que le vendeur fait 60 000 de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est... alors, ce sont des estimations, encore une fois, avec Helium 10. Hein. Si je reclique sur la fiche produit du vendeur ici, je vais relancer encore une fois ma Chrome extension ici de Helium 10.
Et cette fois-ci, je vais aller dans le Profitability Calculator. Donc ça, c'est une petite extension que vous avez également avec Helium 10 qui est très sympathique pour calculer en fait, vos marges que vous pouvez avoir sur les produits et les niches. Donc là, c'est les chiffres qui sont ici, hein, le prix de vente, le poids, l'achat ici chez votre manufacturier, donc du fournisseur, ici le tarif unitaire, ce sont des estimations d'Helium 10. C'est pas parce qu'il y a écrit ici 3,38 que vous allez le sourcer à 3,38 sur Alibaba par exemple, ok ? Fait que c'est à prendre à, entre guillemets, pas à la légère, mais en tout cas le savoir. Fait que là, après avec le freight cost, donc ça c'est l'envoi bien sûr de votre produit de Chine par exemple jusqu'à dans les entrepôts d'Amazon, vous le mettez ici en custom ou ici c'est par cubique, il l'a mis 400. Voilà, fait qu'avec les estimations de Helium 10 en fait, il faudra donc voilà bien vérifier également les FBA fees. Donc là on est à 3,58. Donc ce que nous dit ce profitability calculator là, c'est que si je le vends à 16,79, que je l'achète à 3,36 moins tous les frais ici qui sont associés, donc les frais Amazon FBA, les frais de shipping, etc. etc. Ce vendeur là se sort une marge de 43%, ce qui est très bien, 43%, on s'entend, et donc on est à 7,32 par unité. Donc pourquoi il y a janvier, septembre et octobre, décembre? C'est tout simplement que les frais en fait montent en période octobre, décembre, donc du coup les marges montent, descendent un petit peu normalement. Voilà, fait que là, alors par contre là il a pas fait 7,32, c'est exactement la même chose, mais ça devrait varier de quelques petits pourcentages normalement. Mais là on va faire une moyenne, allez, on dit à 43% de marge, c'est très bien à 7,32 de profit par produit. Donc c'est très intéressant et voilà ce que ce vendeur gagne. Donc on a vu avec le X-Ray tout à l'heure qu'il était à 60 000 de chiffre d'affaires. Donc c'est très intéressant. Maintenant, donc bien sûr, là, je vais vous montrer d'autres produits dans d'autres catégories. Donc restez bien avec moi et surtout restez bien avec moi pour la deuxième partie de la vidéo où je vais vous donner donc du coup d'autres conseils supplémentaires et comment entre guillemets ces vendeurs là arrivent à ces chiffres d'affaires là et comment vous pourriez potentiellement vous aligner avec ces produits là, avec ces vendeurs là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et voilà comment c'est possible, voilà. Donc passons au deuxième produit, c'est parti. Le deuxième produit, lui, se trouve donc dans la catégorie ici, donc c'est le baby, ok? On voit que lui est Amazon Choice, donc ici en bébé, baby keepsake frame by key babies. C'est-à-dire que sur ce mot-clé-là, ce vendeur-là a fait, entre guillemets, le plus de points, le plus de scores, le plus, voilà, la meilleure capacité de vente avec le meilleur prix, le meilleur temps de shipping, etc., etc. Donc, il fait gagner le plus d'argent Amazon sur ce mot-clé-là. Donc, du coup, il obtient le badge Amazon Choice. Je pense que vous le connaissez tous très bien. Donc, ce produit est vendu à 19,99. On dirait également que le listing est quand même optimisé. Un bon titre, de bonnes petites images qui ont l'air vraiment sympathiques, une vidéo, hop, où c'est quand même, j'ai envie de dire, optimisé, hein. On joue un petit peu sur les sentiments, et en plus il y a des descriptions qui sont quand même bien faites. Ici au niveau des bullet points, 1, 2, 3, 4, 5, elles sont aussi donc toutes bien rédigées, à voir encore une fois pour les mots-clés bien sûr. Est-ce qu'il y a du contenu à plus? On va aller regarder ça. Oui, il y a du contenu à plus, il y a une histoire de la marque. Donc voilà, ce listing est vraiment bien optimisé et c'est probablement une des choses qui font sa réussite. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder son chiffre d'affaires. C'est parti. Voilà, notre Chrome extension a été lancée et maintenant il ne nous reste plus qu'à retrouver donc notre vendeur sur lequel nous étions. Non, ce n'était pas lui. Voilà, c'était celui-ci. Donc ici Baby Hand, etc. Donc prix de vente 19,96. Il est à 141 276 de chiffre d'affaires. Ce qui est très intéressant avec
un seul produit, on s'entend. Ok, fait que là, on est sur un marketplace des États-Unis. Fait que forcément, si on regarde, donc je sais, hein, bien sûr, il y a des Français aussi qui regardent cette chaîne-là. En France, ça arrive, bien sûr, mais c'est vrai que des gros chiffres d'affaires comme ça sur les États-Unis, c'est un petit peu plus souvent récurrent, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc là, on fait pas une analyse complète, bien sûr, de la niche, hein, mais en tout cas, ce vendeur-là fait 141 000 de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Maintenant, on va aller lancer notre petit Profitability Calculator et on se retrouve donc tout de suite ici sur notre Profitability Calculator. Donc, encore une fois, hein, ici, tout est pré-rempli par Helium 10. Je le répète, ce sont des estimations. Par exemple, ici, pour l'achat, encore une fois, du produit chez votre fournisseur, ici, c'est écrit 3,99. Ça se peut que ce vendeur-là ait acheté, je ne sais pas, parce que là, pour faire 141 000 de chiffre d'affaires, il faut acheter un gros inventaire, ok? Parce que là, le produit est vendu à 19,99. Donc, pour faire du chiffre d'affaires là-dessus, 141 000 de chiffre d'affaires, voilà, il faut vendre un certain nombre d'unités. Donc, il faut en acheter un certain nombre d'unités. Et c'est-à-dire qu'imaginons qu'il en ait acheté, je ne sais pas moi, 10 000. Il est capable d'avoir un prix beaucoup plus bas. Donc, par exemple, 3,99 par rapport à vous qui allez en acheter 200, voire 500, voire 1000 unités. Ok, vous n'aurez pas du tout les mêmes tarifs. Plus on en achète, moins on les paye cher, et c'est normal. Donc voilà, là, avec cette estimation-là, les frais déduits d'Amazon FBA, il est quand même à 32% de marge, ce qui est encore vraiment intéressant. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est soyez minimum du minimum du minimum à 30% de marge. Et là-dedans, il faudra inclure, bien sûr, vos dépenses PPC, donc le marketing, les publicités intérieures à Amazon. Là-dessus, on va passer, bien sûr, au prochain produit, qui est ici. Hop! Donc là, c'est un stainless steel, donc c'est une bouteille, finalement, qui est comme ici, là, voilà, qui garde au frais vos boissons. Hop, j'en ai sélectionné un juste comme ça pour vous, donc qui est numéro 1 best-seller dans Home and Kitchen, ok? Home and Kitchen, c'est une des plus grosses catégories sur Amazon, en règle générale, dans toutes les marketplaces. Donc ici, d'être numéro 1, d'être best-seller dans la catégorie Home and Kitchen, je n'ai pas encore regardé les chiffres d'affaires, mais je suis sûre que ça va être quand même vraiment faramineux. On va aller voir ça tout de suite. Lui, il a 46 000 commentaires, hein, fait que voilà, il a quand même un certain rythme de vente, c'est quand même beaucoup. Le prix de vente est très, très sympathique. 45$. Donc là, il y a moyen de se sortir quand même de la marge, je suppose, là-dedans, à acheter ça en Chine, par exemple. C'est juste un produit, finalement, qui garde au frais ou probablement aussi au chaud vos boissons. Donc voilà, il n'y a pas de vidéo sur ce listing-là. Je vois quand même le titre a l'air d'être optimisé. Il a plein de choix, plein de couleurs. Et d'ailleurs, ça doit faire son succès également. Et les bullet points ici sont toutes très bien optimisées. Est-ce qu'il a du contenu à plus celui-ci? Oui, encore une fois. Voilà, hein, on joue sur le lifestyle, etc. Fait que c'est très très bien, l'histoire de la marque est là aussi. Donc voilà, ça aussi, encore une fois, ça contribue à son succès, très probablement. On va aller regarder... on va regarder le Profitability Calculator, comme ça on va voir sa marge tout de suite, et après on ira voir son chiffre d'affaires. Hop, on lance l'extension, le Profitability Calculator, qui est juste ici. Et là... on peut voir, donc encore une fois, je ne me répéterai pas pour le manufacturing cost. Hein. Ici, on est à 9$, mais ça se peut que ça soit un petit peu plus pour vous. Et ici, au niveau de la marge, on est à 50% avec un prix de vente à 45$. On est à 50% de marge, même 51 parce que 50,99, c'est pas exceptionnel. Ça arrive sur quelques produits, mais personnellement, moi, je n'ai pas encore sourcé de produits à 50%. C'est énorme, je suis montée à 42%, mais voilà, 50%, c'est quand même une très belle marge, en tout cas, sur ce produit-là, sur un produit qui est quand même simple, qui est dans la plus grosse catégorie sur Amazon, et qui est en plus best-seller, fait qu'à 50%, il doit avoir un chiffre d'affaires qui est vraiment très 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 stable et très agréable. On va regarder ça tout de suite, c'est parti.
Voilà notre petit produit. Hop, je relance ma Chrome extension ici. Encore une fois, on va aller sur le X-Ray et on va regarder le chiffre d'affaires. Donc ici, le revenu qui est à 2 667 645 $US. C'est vraiment énorme. Mais voilà, ça, ce sont le genre de chiffres qu'on peut trouver sur un marketplace US aussi. Hein. Donc là, vous voyez qu'il en a vendu 59 281. Donc quand je vous disais, par exemple, une commande de 10 000 unités pour ce vendeur-là, clairement, ce n'est pas suffisant. Donc il doit en commander, là c'est mensuel, donc 60 000 mensuels, il doit en commander, je ne sais pas moi, pour avoir 2 mois d'avance par exemple. Ça pourrait être un 100 à 120 000 unités mensuelles qui, pour 2 mois, en tout cas, pas pour un mois, mais pour 2 mois, qui commandent chez son fournisseur. Fait que même qu'il en commande en avance beaucoup plus que ça. Fait que son prix d'achat à la base doit être vraiment, vraiment très optimisé chez son fournisseur parce que voilà, il fait rouler la machine du fournisseur, il en achète beaucoup et il doit pouvoir être capable de du coup augmenter ses marges encore plus là-dessus. Donc voilà, 59 000 ventes avec un chiffre d'affaires de presque 3 millions, on s'entend, il est là, 2 600. Donc voilà, 2 600 000, c'est vraiment énorme et c'est un très très beau produit. Donc voilà ce vendeur-là, si jamais vous achetez ce genre de produit-là, en tout cas, sachez que vous avez contribué à sa réussite, en tout cas, sur Amazon. Voilà, là-dessus, donc, je voulais mettre quand même une sorte de warning sur toutes ces choses-là. Pour pouvoir faire, donc comme on avait vu, 2 millions de chiffres d'affaires avec plus de 50 000, presque 60 000 d'unités vendues, et bien faut pouvoir acheter ces 60 000 unités vendues. Donc dites-vous que pour faire des millions sur Amazon, ça prend un investissement certain financier. Ok, ce n'est pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous allez être capable de faire ces 2 millions-là, ok? Parce que, ben en fait, ça va dépendre même limite. Dites-vous que si vous avez par contre des centaines de milliers de dollars à investir dans un genre de produit comme ça, d'acheter tout de suite 60 000 unités et puis de vendre tout de suite votre produit comme ça, c'est très risqué. C'est très risqué d'acheter d'un seul coup 60 000 unités et puis de tenter de voir si ça va marcher ou pas, ok? Fait que ça, je ne vous invite pas à le faire. Ce vendeur-là a commencé par une certaine quantité, puis a augmenté au fur et à mesure. Mais si vous prenez le prix d'achat, me semble qu'il était comme à 4 $, que vous multipliez, prix d'achat fournisseur, hein, que vous le multipliez par le nombre d'unités, donc là par 60 000, eh bien, dites-vous que à 4 $ fois 60 000, on s'entend, ça va faire du coup un 240 000 dollars US à investir seulement pour l'inventaire, ok? Il y a toutes les autres choses à côté. Donc voilà, oui, faire du gros chiffre d'affaires comme ça, mais voilà, ça prend de l'investissement, ça prend du temps. Et ces vendeurs-là ont travaillé leur listing, ont travaillé leur ranking, ont travaillé leur PPC, leur positionnement sur les fiches, sur les mots-clés, dans les catégories. On fait probablement des efforts marketing externes à Amazon et on investit beaucoup en publicité pour pouvoir apparaître. La visibilité, c'est la clé sur Amazon. Pas de visibilité, pas de vente, ok? Donc, quand on lance son premier produit sur Amazon et qu'on attend que ça se passe sans rien faire à l'extérieur ou même interne à Amazon, votre produit va se retrouver dans les pages, je ne sais pas moi, numéro 250. Donc pas de visibilité, ok? Donc ça se travaille. N'oubliez pas également le point compétition. Donc là, on n'a pas regardé les niches complètes. On n'a pas du tout même regardé les niches de ces produits-là. Mais ça se peut que ce soit des niches qui sont déjà très compétitives. Donc vous, pour vous lancer dans des niches compétitives, ça peut être très intéressant, mais encore une fois, ça prend de l'investissement publicitaire pour vous faire voir et bien sûr des investissements après également pour récupérer vos commentaires, etc. Si notre autre produit qu'on a vu, il avait 40 000 commentaires, vous arrivez avec 2 commentaires, vers qui va aller, sauf si vous avez une très belle amélioration de produit et des fonctionnalités innovantes, normalement il est censé quand même aller vers les 40 000 commentaires. Le client
client hein, pour acheter son produit. Fait que n'oubliez pas la compétition, faites attention à ça dans vos niches. Et voilà, j'ai envie de vous dire que après tout ça, ça va dépendre du budget. Ça va dépendre des PPC, du marketing et toutes ces choses-là à prendre en considération. Mais en tout cas, voilà les possibilités qu'on a sur Amazon, les chiffres d'affaires qui sont possibles à faire. Et voilà, c'est un vrai business. Donc formez-vous, informez-vous. Et bien sûr, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est encore une fois le moment pour vous, du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, de laisser des likes et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, bien sûr, pour pouvoir recevoir des nouvelles, en fait, quand je poste des nouvelles vidéos. Donc là-dessus, n'hésitez pas, courage à vous et bien sûr, je vous souhaite de faire exactement les mêmes chiffres d'affaires, bien sûr, qu'il y a sur ces vendeurs-là. Avec du travail, de la patience et des connaissances. Voilà, à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao !